Je suis l'aigle de la route. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la présentation de l'épisode de Mad Max. Donc, chers amis, nous avions fait un camp la dernière fois. Nous avions libéré le camp, je crois que c'était de cette zone-là. Je ferais bien un autre camp dans une autre zone pour se faire tout en jaune. Un camp ou deux. Et je ferais bien donc celui-ci, en fait, tout simplement. Donc, on va se taper là. J'ai pas vu s'il y avait autour un point information, cependant. Donc, je vais quand même jeter un œil. Hop. Je vais quand même jeter un oeil, non apparemment il n'y a rien, mais vous voyez c'est une espèce de piste à moitié bizarre. Du coup je suis assez curieux. Hop là. On y va. Pas dans la bonne direction que je vais. J'espère que le son est bien pour vous. Je vais peut-être aller faire un test avant. Un instant. Voilà, re chers amis. Donc je sais pas comment je vais gérer tout ça. C'est-à-dire que Razer m'a contacté ses clients pour leur donner accès à un truc de son. Je l'ai installé, il est bien. Le problème, c'est qu'il a modifié tous mes paramètres. Donc bon. On verra bien ce que ça donne. J'espère pour vous, ça va. Hop. Ah, je voulais le pousser de la falaise. Aïe. Oh, j'y crois pas, le mec. Ah non, c'est bon, je croyais que le mec était encore attaché. Non mais oh, respectez mon autorité un petit peu quand même. Alors, ce serait le machin plein de lumière de là-bas. Oh, la descente. Un trou là. Bon, c'est pas grave. Alors voyons voir. Toujours pas d'infos juste à côté. Alors. She flies. Normalement il aurait dû le dire. Alors, on va quand même mettre le point sur le bon truc. C'est une piste d'atterrissage, non? Ouais, ça y ressemble. Hein. The rigs, where are they? Oh, there they are. The dragon sent the Joggernauts. The great beasts of this forsaken land. They call them the war rigs. Alors, je vais refaire des trucs de son parce que ça va pas dans mes oreilles. Je sens que c'est quelque chose qui a qu'à changer. C'est casse-couille. Paramètres. Audio. Volume des musiques. Putain. Volume des effets. Volume des dialogues. Volume des cinématiques. Voilà, déjà ça. Alors. Oui, Dust Treasure. Voyez ça, regardez la musique, à quel point elle est forte. Hop. Oui, appareil audio, Razer se rend audio contrôleur. Je sais pas ce que c'est. Got to beef up your ride to go, and bring many a thunder and sticks if you can launch him. Camp de véhicule. Avant d'essayer d'entrer, faites le plein de munitions pour l'harpon de feu. Restez près de la voiture autant que possible. Élément de projet dans le campement nord. Oh putain, camp de véhicule. Alors, est-ce que je peux prendre le sniper? D'accord, il y a du bordel. C'est
pas le viser, ça sert à rien. Quoi? Voilà, je préfère. Bon, ensuite on verra bien. Hop! Allons-y. Les harpons de feu sont mis, nous sommes prêts, nous accélérons. C'est celui-là? Ça c'est pute. I see red fuel tanks exposed. Ok. Bon, le saut épique a été fait. Je l'ai pas trouvé épique du tout, mais... Alors, allons-y. Ok. Ok. Aïe. Qu'est-ce que c'est qui m'a tiré dessus? J'ai l'impression qu'ils explosent au bout d'un moment les mecs. Qu'est-ce que oui? Bon, on prend ça. Un emblème. Ils ont de l'électricité en chier, eux. Incroyable. Hop les. Oula. Where are they? Oh, there they are. The dragon sent the Joggernauts, the great beasts of this forsaken land. Mais je vois pas de quel char il parle. Répare la caisse, je te dis. En plus ça va vite maintenant, c'est génial. C'est vraiment un camp particulier hein. C'est bon? Merci. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Hop. Ok, on y va, chers amis. Là, on le fait pour de vrai. Aïe. Aïe. Défense du périmètre éliminée. Allons voir ici ce que c'est. Hop, une ferraille, il m'en faut 10 au total. Putain, c'est violent. Ça serait bien que tu m'affiches une. Oui, voilà, merci. Ah putain, oui, c'est une explosion qu'il faut. On rappelle. Boum. Objectif 1 sur 7. Aïe. Te casse. Hop. Hop. Oh par contre ça va être casse-couille. S'il faut jongler avec tous les objets qui sont tombés au sol, ça va vraiment être casse-couille. Hop, de la ferraille. Il me manque des emblèmes aussi, j'y pense que maintenant, mais il m'en manque. Il m'en manque 3 si je me trompe pas. Encore de la ferraille. Hop là.
Là, il y avait rien. Là, il y avait de l'essence. Là, il y avait de la ferraille. Là, il y a de quoi monter. Hop. Là, il y a de la ferraille. Et là, il y a des choses intéressantes aussi. Ok, on est bon. On progresse, on progresse. To the car. Hop. Voiture. Voiture. Attends, c'est de ce char là qui parle. J'ai envie d'aller voir. Bla. Cesse de te plaindre. Et deux. Ah, qu'elle tourne mal ma voiture. Ouh là là. Aïe. Oh, dis donc, elle en chie. Bon. Ok, ça c'est bon. Ça aussi. C'est pas trop trop mal. Donc j'ai fait ce qu'ils appellent le camp du Nord. Ah, tu te répètes, Max. Tu te répètes. Bon. Oh mais non! Les chevaux de Skyrim, chers amis, les chevaux de Skyrim! Hop là. Elle la ferraille là, mais c'est pas celle que je recherche. Il va y avoir un endroit pour passer tranquillement. Ah quoi que, il m'a dit de rester à côté de ma voiture. Il a peut-être une bonne raison, qui sait. Bon, allons-y quand même. Allons voir. Restriction harpon. Ah bon, on peut pas le casser ces trucs là depuis quand? Ah! Bon! Voilà! Ça résout le problème? Vous êtes content? Répare la caisse! Allons voir ça d'un peu plus près. Voilà l'élément de projet. 1, 2 et 3. Puits de pétrole, c'est parfait. Hop, moi je bourrine, je passe pas par que par le chemin qu'on me dicte. Voilà, ça c'est bon aussi. Passons par là. Il n'y avait rien à choper, c'est cool. Si tu te pètes une jambe, je t'en veux. Il s'est pété une jambe. Nom de Dieu. Roulade. Voilà. Ici, on a notre combattième bout, je m'en rappelle plus. Hop, sixième bout. Septième bout. Notre emblème restant. Huitième bout. Il nous reste deux ferrailles à choper, on les a pas vues. Hein. Et juste pour la blague.
Ok, on se barre. Et il nous reste un endroit où on n'a rien fait, apparemment. Bon. Allons voir, allons voir. Alors. D'accord, ce campement-là, on l'a fait. Oui, parce que ça brûle de l'intérieur. The great beasts of this forsaken land. They call them the war ring. Ok. On l'a bien fait, cet endroit. Apparemment, il me reste des trucs. Sauf si ça s'en est, en fait. Red tank, shoot, shoot. Oh non. En plus, il va ressortir par là. Hop. Boum. Est-ce que c'en était un? Non. Alors, il nous reste 3, pas 1, 3 trucs, et je ne les trouve pas. 3 trucs à péter, je ne les vois pas. Mais alors, on voit pas du tout, hein. Ce n'est pas une, ça, là-bas? Mais elle, elle marche plus, celle-là. Non, elle marche plus. The rigs. What are they? Ah, oh, there they are. The dragon saint. The juggernauts. The great beasts of this forsaken land. They call them the war rigs. Je sais pas où ils sont. C'est génial! Et n'a là qui fonctionne. Ok, bah les voilà en fait. Allez! Allez! Bah où il est? Mais y'a personne, hein! Oh. Quel pétochard, chers amis! Je vois de la ferraille en plus là où je suis. Hop les, on l'a eu! J'ai vu un de ferraille. Je l'avoue, on le voit là, il est là. Ah, il y a intérêt, ouais. Répare. Alors, allons-y. Parce qu'en plus, ils sont éparpillés dans toute la zone. Donc ça, c'est génial, c'est bon à savoir. Ah bah non, les deux sont là, c'est cool. Et boum. Et de 1. Hop les. Et de 2. Hop. Parfait. Are you away on one of your long journeys inside your brain? Are you well enough to drive? Pourquoi il me parle de ça, lui? Non mais oui, il me respecte même plus. Hop. 2900, c'est acheté. Alors moi, ce qui m'intrigue, c'est de voir le suivant. J'ai même pas l'autorisation de le voir en fait, bon, bah c'est pas plus mal. Écoutez, pourquoi pas. Hop les, mes jambes. Hop, hop, là il peut courir. Non, il peut pas courir, ah je pensais que ça marchait. Bon. Bon. Eh ben écoutez les amis, je pense qu'on va rester là pour cet épisode, il était plus long que ce que j'imaginais ce camp.
Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam Joueurs de la Pérou, vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas non plus à cliquer dans le descriptif de l'épisode vers mon partenaire Gamesplanet.com qui m'a gracieusement offert ce jeu et le prochain, donc qui sera Fallout 4. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vais faire ce silo devant vous et je vous dis à demain pour un autre épisode de Mad Max. Salut les gens. Hop. Il va y avoir une timelapse. Timelapse. Belle fin d'épisode. Ouais. D'accord. Bon, pourquoi pas. You're not such a hopeless worm after all. Allez, à demain les gens.